Au nord de toutes les contrées, existait un royaume des plus riches et puissants. Entouré de mers et de montagnes, cette région était réputée imprenable. Voyant que sa population grandissait et devenait de plus en plus belliqueuse, le roi Eionas décida de profiter du printemps pour prendre d'assaut les faibles cités du sud. Allant de victoire en victoire, la grande armée levée par Eionas conquit et pilla un grand territoire. Malgré les avis de ses conseillers, Eionas voulut poursuivre les conquêtes sans repos hivernal pour son armée, mais la multitude de cités au sud s'allièrent et encerclèrent la grande armée, l'anéantissant totalement. La défaite rendit Eionas fou de désespoir. C'est à ce moment-là qu'un puissant sorcier du nom d'Alcam lui proposa ses services pour redonner au royaume sa gloire d'antan. Mais le roi se fit duper par le sorcier qui utilisa son pouvoir pour asservir le peuple Borlum. C'est alors que Dayan, survivant de la Grande Armée, prit la décision de faire face à l'oppression qui régnait désormais dans le royaume en tentant de chasser le mal.